Les amis, je parle pas très fort. Alors les amis, je parle pas très fort. Je suis dans un musée de la résistance. Je trouve ça très intéressant parce que ce sont des gens qui ont donné leur vie à un moment donné pour l'occupation, contre l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale. La plupart d'entre eux étaient des jeunes, des très jeunes. Et voilà, ils ont pris la décision de ne pas se laisser faire. De combattre l'ennemi. Alors, dans notre salle d'à côté du monde dont je ne pouvais pas trop parler, si vous voyez des postes, des lumières téléphoniques de campagne. Communiquer avec des postes comme ça. Machine à écrire. Taper les tracts, déjà cette machine, vous avez vu, c'est déjà un clavier AZERTY. Machine à écrire, un vélo. Pourquoi un vélo? C'était parce que j'en servais pour transporter les messages. Souvent les messages étaient glissés dans les guidons. Vu ce vieux vélo. Cette bicyclette est appartenue à Henriette du Jouffin, dont le nom est inscrit sur la plaque. Commémorative insérée sur le tube de la bicyclette. C'est une résistante. Ici, nous avons la collection de collecte, transmission, renseignement. Voilà, ici, poste émetteur, récepteur. En métal, baquelique, textile, papier, encre, un
post-émetteur. La musette militaire anglaise de l'époque. Et un post-récepteur. Voilà. Avec ça, un petit casque. Je recevais les ordres. Une photo d'une forêt. La plupart se cachaient dans la forêt. Les armes aussi. L'armement du maquis. Toutes ces armes. Bazooka, mitrailleuse, pistolet, grenade. Grenade. Ananas. Puis c'est le mitrailleur Thompson. Il est où ? 4, 3, 7. Il y a aussi pistolet mitrailleur Sten. De mitrailleur marqué d'un prénom de Ginette, une résistante, un lance-roquette bazooka. Ici. Le parachutage faisait dans des des sons comme celui-ci. Il recevait ça par les parachutistes alliés pour les réseaux de résistance. Comme on voit ici sur la photo. Ici. C'est un bidon d'essence. Un bidon d'essence, donc. C'est la condition, le recrutement du maquis, de Mussy. Voilà. Je vous laisse lire peut-être si vous voulez. Si la situation du maquis s'opère souvent de façon improvisée, dans l'urgence et sur les courtes périodes, certains voient la taille de leur effectif augmenter au fur et à mesure de leur existence. Au maquis de Mussy Grancet, ces situations mènent à la création d'un centre de recrutement à la ferme du Réveillon, une permanence qui s'y tient à partir de juillet 44, organisant l'interrogatoire des nouvelles recrues afin de détecter d'éventuels agents de l'ennemi, une visite médicale attribuée d'un matriculé d'une arme. Voilà comment ils recrutaient les gens. Ensuite, je vais montrer la tenue, de maquisard. Béret, veste de cuir, pantalon de toile, sac à dos, piste de mitrailleur. Sten, à crosse, squelette et chargeur. Les squelettes, parce que vous voyez, ils ont besoin de cuir. Les chantiers de la jeunesse française ayant appartenu à Hubert des décennies. C'était un résistant. C'était sa tenue. Avec le pantalon de laine. Vivre dans la clandestinité. Gamelle, un quart du soldat gravé, 40. Voilà, ici je parle pas trop. Ils ont du parachutage. C'est intéressant aussi. Vous voyez.
l'avantage des alliés. Je vais ici. Et voilà. Alexandre de Jean Fontaine. Mussy sur scène. Nous sommes ici. Là. Il y a tous les parachutages. Alliés. La carte de France, de Belgique et de Hollande. Une lampe de poche ici. Bleu, perdrix. Il y a un petit panneau avec les parachutages de Giraudeau et de ses persécutions. Des opérations de parachutage aussi balisées soient-elles, ne sont pas sans risque. Nombre d'entre elles échouent, provoquant de lourdes conséquences, soit pour les aviateurs, soit pour les maquisards chargés de la réception des containers largués. Le cas où le parachutage de Giraudeau en est un exemple. Attendu dans la nuit du 16 au 17 juillet 1943 sur le terrain à l'est de Troyes, proche de la forêt d'Orient, les avions annoncés par message résonnent, tambourinent à la radio et ne se présentent pas. L'équipe de résistance menée par Louis Monet y était à l'opération la nuit suivante. Elle est interceptée par les Allemands, les ayant repérés la veille. 19 personnes sont arrêtées suite à cette opération qui va conduire à l'été 43 au démantèlement d'une grande partie de l'équipe du BOA au bois. Nous avons un parachute. Un parachute. Pour des raisons de conservation, il n'est pas possible d'exposer les parachutes de mon collection au sein du musée. Ces objets est un facsimilé de couleur noire. Okay. Oui, c'est pas l'original. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre. De la 5e compagnie du Montram, la 3 de Rennes, quelques petits. Pardon. Voilà, pas trop vite quand même. Ici, nous avons des plaquettes du monument aux morts du maquis de Mussy. Émile-André Leroy, c'était le sculpteur. Il était plus que sculpteur. Peintre, il a fait ce genre de choses pour honorer la mémoire de ces héros à qui je pense de fond beaucoup. Vous rendez compte que, enfin, moi je me dis, imaginez-vous en 1940, les Allemands sont là en France. Vous êtes jeune, vous avez 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez passer. Vous dites, bon, les Allemands sont là. Tant pis. Ou alors, vous collaborez. Certains ont collaboré. Ou alors, vous dites, non. Je vais me battre pour mon pays. Sachant que c'est dangereux. Il y a des répercussions. Sur la famille, sur. Voilà. Ça, c'est des fourragères de l'uniforme du 131e régiment d'infanterie. Quelques puissantes de médailles. Ici. Je ne parle pas très fort parce que. Ici, c'est un drapeau américain, bien sûr. Drapeau américain, confection artisanale. Avec une
une petite banderole qui a été faite pour la célébrer la libération de la France. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien quand même. Honneur, vive la France, patrie. C'est un petit sur scène, et si un jour vous avez l'occasion d'y aller, ben, je vous promets que c'est très intéressant. Là, il y a des petits trucs. Je sais pas si ça marche. On y arrive, mais... Voilà. Les drapeaux tricolores avec inscription. Ici, c'est les avis. Avis de modèle de tract. Les modèles de tract qui étaient envoyés par la résistance. Et là, disons. Ensemble, ça. C'est un ensemble. Un ensemble commémoratif composé de troncs ayant servi de poteau à l'exécution le 22 février 1944 à Grenay. Et ça me fait quelque chose de savoir que les gens ont été attachés ici pour être fusillés. Ah, ça me... Je sais pas ce que ça... Je sais pas pourquoi ça me fait... Ça me fait des frissons de savoir que 4 troncs ont été utilisés pour exécuter des résistants. Albert Kayser, François Mauré, Georges Furier et Fernand Milot, détenus à la prison de Hennequin à Troyes, et condamnés à mort le 17 février 1944 par le tribunal militaire allemand pour avoir récupéré des armes. Le 22 février 1944. Les troncs sont coupés et plantés devant le tombe creusé de la commune de Crenay, sur l'ordre des autorités allemandes. Les 4 résistants y sont attachés et fusillés. Après, voilà. Ça, c'était l'attaque du maquis, le 2 août 1944. Ici, vous avez des photos de résistants, cérémonie du camp de tir de Crenay. Il y avait il y a eu 53 résistants fusillés ce 9 septembre 1944. Et la cérémonie du camp de tir de Crenay, donc. Photo de Émile Alarigaud accompagné face à un véhicule détruit au cours de l'attaque du maquis des résistants. La ferme de Vauxoué détruite après l'attaque du maquis. C'est une attaque qui a eu lieu le 2 et 3 août 1944. 4 heures du matin. Le camp a été mis en état d'alerte générale. L'intégralité des documents doit être détruite et la ferme est abandonnée. Ils se déplacent dans la nuit et dans l'urgence pour rejoindre le maquis principal. C'est fait. Ça fait quelque chose de voir tout ça. À Buchère aussi, le 27. Côté 3. Je vous montrerai un jour le monument. À l'approche de l'armée américaine, le 23 août 1944, Émile
Alary Oud organise le dispositif de défense militaire pour la libération de Troie. Il ordonne l'ordre à une compagnie de FFI, commandée par son fils, d'établir un barrage à Maison-Blanche, près de Buchère, afin de couper la route aux Allemands. Les hommes du village sont réquisitionnés pour mettre en place. Le 24 août au matin, les FFI arrêtent un picard et un camion allemand chargé de soldats. Un combat s'engage en représailles. Les SS du 51e Brigade de Panzer Grenadier prennent les habitants de Buchère pour cible. Les considérant responsables de cette embuscade, ils bombardent le village, mettent le feu à certaines habitations et exécutent de nombreux habitants, dont les femmes et les enfants. Et les personnes... préfère des petits bombes que le village soit reconstruit par des prisonniers allemands. Voilà. Ici, vraiment une affiche qui était placardée contre 400 ressortissants français ont été condamnés à mort le 17 février 1944. Ici, nous avons un tableau qui représente une scène horrible. Un bloc de camp de prisonniers à Buchenwald. Artiste anonyme. On voit l'horreur du visage de ces pauvres gens. Dans ce camp de concentration de Buchenwald. On peut observer l'architecture, les saillies sommaires en bois auxquelles les détenus couchaient. Cette œuvre permet d'identifier plusieurs personnages. Grâce aux couleurs qu'ils portent, les déportés politiques, ils étaient tous munis. Les déportés politiques étaient munis de triangle rouge. Précisément, le roi commun avait un triangle vert ainsi qu'un capot ou un SS. Représente un cœur. Présent au cœur de la pièce, un capot, ici. C'était souvent un prisonnier qui avait pour tâche de surveiller les autres. Et ici, waouh, les tenues que portaient les prisonniers dans les camps de concentration. Il y avait un bout de temps que je voulais visiter ce musée, mais je vous jure, ça me fait des frissons. Parce que... Ici, une correspondance des prisonniers. Ils envoyaient des lettres. C'est écrit très très petit. Ah, il y en a certaines, comme celle-ci. C'est écrit petit, mais là, il y a la retransmission du texte. Je vais vous le dire. Chers tous, c'est mon anniversaire. Mon anniversaire était marqué par une grande joie. J'ai reçu votre si charmante lettre. Merci pour toute la joie, la force morale et le soulagement que vous m'apportez. Nous sommes 5 copains ensemble, dont Chouard, Roger, dont son père qui a travaillé avec lui. Nous avons bon espoir et le moral en haut. La captivité ne sera rien. Si nous avions la certitude de nous en tirer, peut-être des faits inconnus de nous, ou donne-t-il cette quasi-certitude? Je vous demande ce que je désire, une savonnette, des mines de crayon pour dans le fond de chaussettes, des petits savons comme deux fois nous sont bien parvenus. Et un peu de sucre, quelques pastilles de saccharine. Essayez aussi de m'envoyer de la caféine sous forme de produits contre l'alcoolique ou des granulés fortifiants. Cette lettre, c'était la lettre d'un prisonnier qui a été détenu à Heine 43.
sais pas si on peut voir. Hubert Périlleux. Périlleux. Voilà. Un résistant, il s'appelait Hubert Périlleux. Il est né en 1922 à Rumilly-sur-Seine. Il était inscrit pour le STO, convoqué pour le STO, c'était le service de travail obligatoire, on envoyait les jeunes en Allemagne. Il s'y rend pas, il quitte son poste de travail, il a pour intégrer la compagnie française au sein du maquis de la ferme de Varsovie dans la Marne. Ici, nous sommes dans, ça raconte le, en juin 40, le bombardement de Rumilly-sur-Seine, l'exode, période triste de l'histoire. Charles de Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État de la guerre de la défense le 6 juin 1940. Le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France. 14 juin, l'armée allemande envahit Paris. C'est l'exode. Il y a beaucoup de choses à voir. 17 juin. Un grand monsieur qui était le général de Gaulle. Les Français. Voilà, tous les Français. Clairement renonce. Voilà les fiches faites par ce ordre du général de Gaulle. La France a perdu la bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Le gouvernement ne rencontre, on ne peut capituler. C'est dans la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Souvent, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, les forces immenses n'ont pas encore donné un jour de force. Écrasement l'ennemi, il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Alors voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, le sacrifice, dans l'espérance. Notre patrie, est en péril de mort, luttons pour la sauver. C'était le discours du général de Gaulle. D'ailleurs, un jour, je vais peut-être aller à Colombey. Il y a une grande. À Colombey, il y a le musée du général de Gaulle. Voilà. Ici, nous avons. Panneau d'information d'allemand provenant de Bar-sur-Seine, écrit en allemand. Ici, nous avons un poignard de la jeunesse. Ce poignard est médaille et brassard pour les jeunes, la jeunesse hitlérienne. Voilà. Et ici, nous avons un poste TSF où les gens écoutaient la radio, Radio Londres. Voilà, je vais vous laisser. Il y a beaucoup de choses à voir.
cette mine antipersonnelle. Marcher dessus. Pom. Et ici, nous avons plein d'affiches. Je vais vous en montrer quelques-unes. Des affiches rouges qui disaient que des gens avaient été arrêtés. Roger Henri Nogared, Alfred Autineau, André Sinone, Raymond Justice, Jean-Louis Rapina. C'était des résistants qui ont été condamnés à mort par la cour martiale pour aide à l'ennemi et ont pris part à une manifestation communiste dirigée contre l'armée allemande. Ils ont été fusillés. Ce qu'on trouvait en répression. Ici, les papiers étaient des ordres d'affection. L'affectation et les fiches de rang recensement qui appartenaient à Roger Perrier, destiné à son voyage vers l'Allemagne dans le cadre du service de travail obligatoire. Il recevait ça. On va aller travailler. Ici. Carte d'adhérent à l'Union nationale des associations déportées et internées et de familles de disparus. Des médailles diverses, médailles de déportation, médailles nominatives, commémoratives, des insignes de la Légion d'honneur. Voilà. Merci. Pierre Perron. Voilà. Enfin, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Je ne peux pas parler bien fort. Et je vous remercie. Si un jour vous venez à Mussy, tenez, encore une chose horrible que je vais vous montrer avant de partir. Voilà. Ce que les gens sont obligés de porter. Avec la mention juive. Vos lumières, les gens étaient obligés de camoufler les lumières des fenêtres. Voilà, c'est sur cette affiche que je vais vous laisser en vous disant merci, j'espère que ça vous a plu. Et si vous venez par Mussy, allez voir ce musée, il est formidable. Et voilà, merci beaucoup, à bientôt.